La coupe aux grandes oreilles, soulevée par les joueurs du Real Madrid, dans un stade de Wembley, chauffé à blanc. Les Madrilènes sont sacrés rois du football européen pour la 15e fois de l'histoire du club. Un record qui a enflammé les rues de la capitale espagnole. Ils étaient tous merveilleux, c'était un rêve. Supporter une équipe qui gagne presque tout, c'est un autre niveau. On a beaucoup souffert parce que nous ne marquions pas. C'est la pire finale qu'on ait jamais connue. Mais à la fin, c'est pour le Real Madrid. C'était génial, on a joué les dernières minutes. On a gagné 2-0, c'est plus que correct. Après une première période dominée par les joueurs du Borussia Dortmund, les Merengues n'ont ouvert le score qu'à la 74e minute, avec ce but de la tête de Dani Carvajal. 9 minutes plus tard, Vinicius double la mise. À Dortmund, les espoirs des 14 000 supporters réunis sont définitivement envolés. Je ne m'attendais pas à ce que les mecs jouent aussi bien pendant 75 minutes. Et puis, on a pris un but sur corner. La déception est un peu présente. Mais après la phase de groupe et ce que nous avons réalisé en Ligue des Champions, je suis fier de l'équipe. La frustration des jaunes et noirs est d'autant plus grande que leur équipe a largement dominé la rencontre sans réussir à concrétiser leurs occasions.